Pierrot, où est-ce qu'on va? Voir ton papy à son école. Il donne des cours, c'est loin ou pas? 3 jours de bus, hein? Mais non, je rigole. Je lui fais écouter tout plein de chansons en racontant n'importe quoi. Et elle me pose tout plein de questions. C'est ton amoureuse? Montre-la moi. Les filles nous regardent, c'est marrant. Tellement qu'on se marre que t'es belle. Que je suis fier un peu comme un pont. C'est quoi un pont? Un petit truc en bois au-dessus des rivières à Avignon. Fais gaffe les têtes brûlées, ça pique. Tu me réponds que même pas vrai. Tu m'as fait un bracelet avec les élastiques que t'as gagné ce matin à la récré. On s'est arrêté dans un square pour faire une pause pour le goûter. T'es monté sur la balançoire. Regarde comment je fais le poirier. Je me suis senti un peu papa. Fais mieux que moi. J'ai pas le diplôme pour te coiffer. La journée est passée si vite. Tu m'as fait chanter Louane. Et cette famille t'a dessiné une poupée russe, bien sûr, avec une frite. T'es reparti loin dans ton pays le lendemain. Mais ton dessin, lui, je l'ai gardé. Attends, dis-moi, tonton Pierrot, pourquoi tu t'appelles Picotti? Mais c'est pas Picotti, moi. Non, mais oh, tu sais bien que je m'appelle Piotki. Je voulais faire Pierrot en espagnol. Finalement, c'est en russe que je l'ai traduit. D'œil au grand frérot, puis pas de bol. Pépito, c'était déjà pris par une marque de biscuits. Et une marque de biscuits.